Depuis plusieurs semaines, des manifestants sont en train de protester dans les rues de la capitale burundaise, Bujumbura, contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat lors des élections présidentielles. Rapidement, les manifestations ont mené à des affrontements répétés entre la police et les manifestants. La police a utilisé la force excessive pendant les manifestations. Les policiers ont tiré à balles réelles sans distinction sur les manifestants et des passants également, parfois à bout portant. Il y a même eu des cas où les policiers ont tiré dans le dos sur des personnes qui tentaient de s'enfuir. D'après les informations que Human Rights Watch a recueillies, des dizaines de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et plus de 300 ont été blessées. Ça, c'est juste le chiffre que nous-mêmes à Human Rights Watch, nous avons pu vérifier. Le chiffre réel est probablement bien plus élevé. La police a également battu sévèrement des manifestants et d'autres personnes qui avaient été arrêtées. La plupart des manifestants ont été pacifiques, mais certains ont fait recours à la violence. Il y a eu des cas, par exemple, de manifestants qui ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur la police, qui ont blessé plusieurs policiers et qui ont également endommagé des véhicules et des bâtiments. Toutes les parties au Burundi devraient faire preuve de retenue. La police a le droit de contrôler les foules, mais devrait utiliser la force seulement si c'est absolument nécessaire et de manière proportionnée. En plus de la répression des manifestations, le gouvernement s'en est pris aux médias au Burundi. Actuellement, la plupart des stations de radio privées sont suspendues et ont été incapables d'émettre depuis plusieurs semaines. Les bureaux de plusieurs d'entre elles ont été attaqués et leur matériel a été saccagé. Human Rights Watch demande au gouvernement burundais de restaurer immédiatement la liberté d'expression au Burundi, de permettre aux Burundais de manifester pacifiquement, de permettre aux radios de reprendre leurs émissions tout de suite. Tout ceci comme condition essentielle à la tenue d'élections équitables et pacifiques.